Il y a énormément de jeunes, mais parce qu'on pense que c'est un sujet qui ne nous concerne pas, mais alors qu'en fait, justement, si aujourd'hui nos grands-parents ils vont devoir arrêter de taffer tard, nous, on sait que ce sera pire, puisque en gros, c'est le chemin qu'on prend depuis une vingtaine d'années avec des politiques de plus en plus libérales et qui répondent au capitalisme, alors que nous, on décide que c'est le peuple qui compte avant tout. Et c'est trop important parce qu'on s'est foutu de nous, on voit pas l'avenir. Et le peu d'avenir qu'on peut entrepercevoir avec les droits sociaux qu'on avait avant, qui sont en train d'être cassés, on nous l'enlève. C'est pour ça qu'on est là. On sait où l'argent est disponible et aujourd'hui on a l'impression qu'on tape toujours sur les mêmes classes. Et donc à un moment donné il va y avoir un problème quand on demande à des jeunes de faire des bacs plus 5 pour qu'ils se retrouvent à avoir des jobs sous-qualifiés et à être dans des catégories qui ont les taux de chômage les plus élevés. En sachant qu'on met les personnes âgées de plus en plus longtemps sur le marché du travail, on se doute qu'à un moment donné ça va poser problème. Et au lieu d'essayer de taxer un peu les riches ou les grandes entreprises, on se dit non, encore les prolos. Et je pense que c'est la pire chose à faire pour que le mouvement se cristallise.